Excellences, Madame la vice-présidente de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs, merci pour ce privilège que vous nous faites d'être des nôtres ce matin. Nous voici à la deuxième partie de notre événement. Notre événement est intitulé Libre discussion, parole à la jeunesse de l'Afrique centrale. Qui avait pour thème jeunesse et intégration, droits et devoirs. Je rappelle que cette deuxième partie, nous la faisons également comme l'avait souhaité Son Excellence Madame la vice-présidente de la commission de la CEAC et également en prélude au side-event que nous organisons très prochainement en marge du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en partenariat avec la Fondation Mahamadou Issoufou. Je voudrais également rappeler que cet événement est organisé, nous avons saisi l'occasion de la célébration de la journée de l'intégration africaine et précisément de la deuxième célébration de la journée de l'intégration au niveau de la CEAC. Pour organiser cet événement suite à une enquête que nous avons réalisée au niveau de notre espace par rapport à la jeunesse de cet espace-là, qui révélait que les autorités politico-administratives ne s'intéressent pas véritablement aux préoccupations de la jeunesse ou n'associent pas, sinon, et je dirais, n'associent pas la jeunesse à leur prise de décision et également à la mise en œuvre de cette décision-là. Nous avons bien voulu inviter Son Excellence Madame la vice-présidente de la commission de la CEAC à cet événement qui pour nous ne devrait être qu'unique, mais à la dernière minute, elle avait eu un contretemps et avait souhaité que l'événement se tienne, que nous lui envoyions le rapport et que nous puissions programmer après une deuxième partie à laquelle nous sommes aujourd'hui. Je ne veux pas monopoliser la parole. Nous avons effectivement envoyé le rapport à Son Excellence Madame la Vice-Présidente, le rapport de notre première assise à Son Excellence Madame la Vice-Présidente qui en a accusé réception et qui a bien voulu que nous puissions nous retrouver aujourd'hui. Excellence Madame la Vice-Présidente et Mesdames et Messieurs, merci encore d'être là ce matin. Je vais, sans monopoliser la parole, donner la parole à Son Excellence Madame la Vice-Présidente de la commission de la CEAC. Je rappelle que, sinon je reprécise, que nous allons rester dans le contexte préalablement défini. Donc, nous allons nous concentrer sur la thématique qui avait été définie au préalable. Et il y avait effectivement un formulaire qui avait été rempli par chacun d'entre vous. Nous avons également très humblement transmis ce formulaire, c'est-à-dire les réponses et les questions et les propositions de chacun, de chacune, à Son Excellence, Madame la Vice-Présidente, que je remercie encore. Pour son attachement à la jeunesse, non seulement de notre espace, mais du continent. Je la remercie pour tout ce qu'elle fait au nom de chacun et de chacune. Je la remercie pour tout ce qu'elle fait et pour tout ce qu'elle fera encore. Excellence, Madame la Vice-Présidente, merci infiniment. Je vous donne la parole. Bonjour à tout le monde, très bonjour et merci, Monsieur Lagrange, pour l'introduction. Et je souhaiterais d'abord m'excuser pour la dernière fois, alors qu'on devait avoir la première partie de nos échanges ensemble. Il y a eu un programme vraiment de dernière minute qui m'a empêché de pouvoir assister à la réunion, de pouvoir participer telle qu'elle était prévue.
Je veux prendre aussi le temps pour remercier M. Sinedou, monsieur, et ses partenaires, d'abord la RAT lui-même et ses partenaires, l'Institut Mandela, et à vous tous d'avoir créé cet espace de réflexion des jeunes, et de m'avoir accueilli au sein de cet espace et me donner la possibilité d'une communication, de cet échange qu'il est vraiment important pour nous au niveau des institutions pour pouvoir sentir quel est le battement du cœur de la jeunesse. Je réitère que nous ne pouvons rien faire sans la jeunesse en Afrique parce que l'Afrique est le continent de la jeunesse. C'est un atout démographique, mais c'est un défi en ce qui concerne la transformation de cet atout démographique dans un développement économique, financière, durable, pour l'amélioration des vies de nos populations. Ceci étant dit, ça c'est l'un des objectifs de la CAC que vous connaissiez déjà, l'organisation économique régionale qui regroupe 11 pays de l'Afrique centrale et qui a pour but de travailler avec ses États membres pour que le développement puisse être pas équitable, pas égal, mais au moins équilibré au niveau de tous et chacun des pays membres de la CAC. Certains parmi vous est très informé, très avancé sur les questions régionales, mais j'ai cru qu'il serait important de commencer cet échange avec une présentation succincte de la CAC. Et parce que j'ai pu voir lors de la lecture de votre rapport que j'ai beaucoup apprécié et les inputs et les questions qui ont été posées par certains de vous, qu'il manquait encore un peu la compréhension sur l'encadrement et sur comment fonctionne la CAC. Effectivement, si nous devons avoir un échange, il faut que chacun de nous sache comment ça fonctionne. Nous, au niveau de la CAC, nous devons savoir quelles sont les manières pour pouvoir involucrer, pour pouvoir intégrer les jeunes dans nos échanges, dans nos débats. On doit adopter des stratégies et des instruments pour cela. Et vous devriez savoir quelle est la partie qui revient à la CAC. Parce que vous savez, selon les théories et selon nos pratiques actuelles d'organisation, il revient aux États, à chaque État, le premier rôle principal de se développer. Donc, le premier acteur du développement est l'État. Pour cela, l'État a des différents partenaires et depuis plus de 100 ans, un peu moins de 100 ans, dans certaines régions peut-être presque 100 ans, on connaît qu'il y a des mouvements d'intégration qui ont pour but d'assurer qu'il y a une intégration, disons, pas pensée, mais une intégration durable, une
un développement durable, un développement stable, mais ce développement ne peut pas se réaliser si les gens qui sont autour, si les États qui sont autour sont dans une situation, par exemple, de catastrophe, dans une situation d'insécurité. Donc, nous les vivons. Et c'est de là qui est née toute l'idée vraiment de la création des zones et des régions économiques pour pouvoir garantir la durabilité, la durabilité dans le temps et dans les méthodes du développement. Et ici, nous parlons avant tout du développement économique, parce que nos théories libérales, néolibérales, capitalistes, et même les théories sociales, socialistes qu'ils ont eues, et tous ont identifié la croissance économique comme l'instrument important pour garantir un développement. Donc, un développement dans le sens que nous le vivons aujourd'hui. Mais chacun a son rôle. L'État a son rôle. Les jeunes ont son rôle, leur rôle. Les femmes ont leur rôle. Les institutions ont leur rôle. Les organisations indépendantes, ONG, organisations de recherche ont leur rôle. Et la question, en fait, je pense qu'il se pose chez nous, dans la zone, dans la région, il se pose une question un peu de contrat social, de voir ces rôles qui nous sont donnés par des différentes théories que nous amenons, nous apprenons dans les universités un peu partout, et qui se sont adhérés aussi peut-être le plus approprié pour le type de développement que nous voulons, qui garantit au moins un équilibre social et de satisfaire d'un minimum les besoins de toutes les populations. Il faut qu'on arrive à identifier à qui doit faire quoi. Donc, c'est la raison que je me suis permis. Ce n'est pas une intention de vous donner des leçons. Je sais que vous, c'est des personnes hautement formées, mais aussi les différents backgrounds rendent nécessaire peut-être une introduction vraiment très, très concrète de la CAC, surtout quels sont les principes de la CAC, et surtout et plus particulièrement de la structure fonctionnelle de la CAC, qui va nous aider à mieux discuter après. Qu'est-ce que c'est la CAC? La CAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, s'est organisée autour d'un certain nombre d'institutions pour garantir un fonctionnement de l'espace de façon coordonnée et de façon harmonisé. Vous savez déjà que cela requiert que les États cèdent un peu de leur souveraineté. Ça veut dire que certaines des priorités, des a priori qui viennent aux États, qui reviennent à chaque État, lorsqu'ils décident de s'organiser dans une institution comme la nôtre, ils doivent céder une partie. Hein? Il dit, bon, en ce qui concerne un secteur déterminé, je souhaiterais que ça soit coordonné non exclusivement par moi, mais par une autre institution aussi. Donc, la CAC, la communauté, elle est intégrée de différentes institutions et organes. Donc, nous avons d'abord le Parlement communautaire. Nous avons la Cour de justice de la communauté.
Nous savons le cours des comptes de la communauté. Nous savons les institutions financières et nous savons les institutions spécialisées. Celles-ci sont les institutions qui doivent fonctionner afin qu'il y ait une meilleure cohésion du fonctionnement et du suivi de l'objectif commun que nous savons ensemble, qui est le développement. Au niveau des organes, nous l'avons pas écrit ici, mais c'est au-dessus de la commission. Il y a la conférence de chefs d'État qui est l'organe des décisions de la commission. Ça veut dire que toutes les décisions qui sont prises au niveau de cette machine qui est grande, elle doit passer et elle doit être approuvée par le chef d'État de nos 11 États membres. Et nous travaillons, il y a la commission de la CAC, dont je suis vice-présidente, et l'organe exécutif. C'est nous qui sommes en charge de faire exécuter ces décisions. Mais nous ne sommes pas les exécutants. Les États demeurent les exécutants. Nous avons les comités techniques spécialisés, donc tous les sujets, avant qu'elles soient ramenées au niveau de ministres, parce qu'avant la conférence des chefs d'État, il y a une conférence, un conseil des ministres, il faut qu'ils passent par les comités techniques spécialisés. Ce sont les questions de santé, ce sont les techniciens en matière de santé de tous les États membres qui doivent d'abord étudier ces sujets, le valider avant que ça passe à un autre niveau. Ça doit aussi passer au niveau des comités des représentants permanents. Ce sont les ambassadeurs des 11 États membres qui sont ici à Libreville où se trouve le siège de la CAC et qu'eux ici aussi, ils doivent connaître ces éléments pour, au cas nécessaire, pouvoir aussi sensibiliser leur État. Et nous avons le comité inter-État des experts. Le comité inter-État des experts, maintenant, ce sont les experts de département dédiés à la question d'intégration. Donc, ce sont nos points focaux. Ça veut dire que tout sujet, tout thème qui est porté à l'attention du chef d'État doit passer par une étude minutieuse de toutes ces instances, notamment le Conseil des ministres. Et ce travail, c'est principalement le travail qui fait la commission. La commission organise les réunions autour des différents sujets pour créer des consensus autour de ces sujets. Il aide à l'élaboration de plans d'action une fois que ces sujets sont adoptés par le chef d'État et il suit un peu les États pour la réalisation de décisions, l'implémentation des décisions qui ont été prises. Et puis nous avons un conseil de paix et sécurité, le conseil de paix et de sécurité qui traite de façon exclusive les questions très sensibles de paix et de sécurité. Vous tous, vous savez très bien que actuellement nous sommes dans une situation de relative instabilité du fait
aides qui se sont données plus récemment au Tchad, mais aussi la situation en RCA, en République centrafricaine. Donc, nous avons aussi la République démocratique du Congo, qui, dans certaines zones, a des situations d'instabilité. Donc, il est très difficile de réaliser des plans de développement s'il n'a pas un contexte sécuritaire qui l'accompagne. Sur la question des institutions, je souhaiterais vous informer que, comme vous le savez, la commission, elle vient d'être installée il y a un an. Même si l'institution, elle existe depuis 38 ans, la commission, elle a un an. Donc, tous les textes de fonctionnement de la commission ont été révisés, les fonctionnements de l'institution ont été révisés, et jusqu'à là, il y a des institutions qui ne sont pas encore créées et ergo ne fonctionnent pas encore. Ça, c'est aussi un processus que la commission est en train de faire. Quand nous parlons de la poursuite des réformes, on parle effectivement de la création des institutions telles que le Parlement, le Cour de la justice, le Cour des comptes, les institutions financières ainsi que les institutions spécialisées. Au niveau des institutions spécialisées, il y en a certains qui fonctionnaient. Une institution spécialisée, c'est par exemple lequel? Nous avons une institution qui s'appelle CORAC aussi, qui s'occupait de questions d'environnement et qui travaillait directement avec la CAC. Il est très important que vous connaissiez cet organigramme, ce fonctionnement, parce que cela vous donnerait la possibilité, pourquoi pas, de vous organiser selon vos différents secteurs autour, voilà, de ces institutions-là. Très bien. Donc, quand nous parlons des réformes, de la poursuite des réformes institutionnelles de la CAC, on parle de la mise en place de ces institutions et de l'élaboration des textes de loi réglementaires qui amélioreraient le fonctionnement de la commission comme le fonctionnement aussi de toutes ces organisations, toutes ces institutions. Le prochain slide, s'il vous plaît. Ici, c'est l'organigramme maintenant de la commission de la CAC. C'est pour que vous voyez un peu le nombre de commissaires que nous avons. Nous avons le président qui couvre tout, il y a le vice-président et puis il y a les commissaires. Donc, dans nos textes, il est dit que la CAC, le gouvernement de la CAC, il est composé de 7 commissaires, donc un président et un vice-président. Donc, ça veut dire que nous tous, d'abord, nous sommes des commissaires, parmi lesquels il y a eu qui a été élu vice-président et l'autre qui a été élu vice-président. Passons. Donc, je pense que nous arrivons peut-être à ce qui est important. Après la mise en place de la CAC, nous nous sommes mis à travailler. On a trouvé beaucoup de travail. Vous tous, vous connaissez la CAC. Je peux vous dire que la CAC a beaucoup travaillé dans les questions de paix et sécurité. Si vous faites des recherches dans les questions de paix et sécurité en Afrique centrale, vous allez voir que la CAC a été une institution vraiment propulseur, une institution de médiation, une institution de grande utilité. Nous sommes partis jusqu'à l'organisation et le déploiement de notre force hein, pour l'Afrique centrale, par exemple. Donc, parce que nous avons une force régionale en attente. Donc, il y a beaucoup de travail dans le secteur paix et sécurité qui a été fait.
Il y a un travail considérable qui a été fait dans le secteur de l'intégration physique. Ça veut dire les routes, les infrastructures. Mais les autres secteurs, le secteur social, le secteur de marché, et qui est le secteur le plus important quand nous parlons de intégration, parce que nous parlons d'intégration économique, ils ont été un peu délaissés. C'est la raison et cela a été un peu la vision de dire ça, ce sont les secteurs qui doivent être mis en avant, qui doivent être développés. Et nous avons travaillé aussi, il faut le dire, que toute l'organisation de la CAC se réalise sur le plan de Lagos de l'Union africaine, qui a pour bout le renforcement de ces régionales pour pouvoir à un moment donné, peut-être, on espère le plus tôt possible, arriver à avoir cette Afrique unie, au moins en ce qui concerne les échanges commerciaux. Donc, la CAC, à l'entrée de la commission il y a un an, nous avons développé un plan stratégique indicatif à moyen terme pour l'intégration pour 2021-2025, la fin de notre mandat est à 2025, qui a pris en considération ces cinq départements, ces cinq commissaires, hormis le président et le vice-président, et chacun d'eux responsable d'un département. Donc, passons au prochain slide. Donc, ce qu'on devait faire, prime d'abord, c'était d'identifier la vision. La vision n'est pas de nous. La vision de la CAC ne vient pas de la commission de la CAC. La vision de la CAC a été peut-être formulée par la commission, mais ça vient de nos chefs d'État. Les chefs d'État de l'Afrique centrale qui se sont donné beaucoup du mal. Si je dis beaucoup du mal, c'est parce que ils ont fait des grands efforts, ils ont mis à disposition beaucoup de moyens pour faire fonctionner ces structures. Donc, par rapport aux instructions qu'eux ils nous donnent, il y a une vision qui a été développée, qui a écoulé de leurs instructions, qui est leur vision à eux, leur vision de chacun de nos États. Et à partir de là, la CAC a défini sa mission. Donc, une lecture de la vision, c'est un avenir commun dans un environnement de paix, de sécurité, de stabilité assuré par le développement durable, la bonne gouvernance, l'amélioration croissante des conditions de vie de ces citoyens, la liberté, la justice. Donc, vous voyez, la vision est énorme. De cela, on s'est dit, quelle est la mission de la CAC? La mission de la CAC est donc alors de promouvoir le développement socio-économique harmonieux de la région, à travers un processus d'intégration des économies et des sociétés des États membres, la bonne gouvernance et le développement d'un environnement de paix, de sécurité, de stabilité durable, afin que la région se démarque comme un espace commun, pertinent dans les relations internationales et de l'économie mondiale. Vous tous, vous savez que la CAC, si on fait un ranking des CAC mondiales, j'espère que nous ne soyons pas en bas, mais si on fait un ranking de la CR en Afrique, nous sommes le moins performants. Donc, il y a un grand travail qui est devant nous et nous sommes conscients que nous ne pouvons pas faire ce travail nous seuls. Le prochain slide.
Donc, voici les axes stratégiques prioritaires pour l'intégration régionale en Afrique centrale qui émanent de la vision, de la mission et à partir duquel des objectifs ont été développés pour chacun de ces secteurs. Voilà. Donc, comme je vous disais tantôt, chacun de ces secteurs représente aussi un département. Ça veut dire qu'au niveau de l'environnement et développement rural, nous avons un département d'environnement et développement rural. Sous ce département, toutes les questions liées à ça sont traitées. Nous avons un département infrastructure et liaison régionale, donc on appelle infrastructure infrastructure et développement régional. Nous avons les développements humains et sociaux. Nous avons la coopération politique, paix et sécurité. Et nous avons l'intégration économique et financière. Donc, sur ces axes prioritaires stratégiques, on a les départements. Chacun de ces départements lidéré par un commissaire expert dans sa matière qui a pour but d'implémenter le plan d'action prioritaire que nous avons adopté dans son secteur. Et il ne l'implémente pas seul, il l'implémente avec les États, parce que les acteurs finaux sont les États. Donc, je vous présente un peu c'est que c'est l'objectif principal global de chacun de ces départements. Ça va aller rapide, on va pouvoir lire. Donc, on commence avec le département paix et sécurité, s'il vous plaît. Allez-y. Donc, intégration paix et sécurité. L'intégration politique paix et sécurité vise à assurer la coopération politique. Ça veut dire sous ces départements, tous les travaux promotionnant la coopération politique entre les États membres, la paix, la sécurité, comme condition préalable pour que la région atteigne un état d'intégration qui génère le développement socio-économique harmonieux. Ça veut dire que nos États, deux de nos États, ne doivent pas avoir un conflit militaire. Pour cela, il y a des instruments, il y a des conventions qui sont et qui ont été signées. Toutes les questions en matière de paix et sécurité sont traitées au sein de la CAC par une convention que nous appelons la convention COPAX, convention coopération paix et sécurité, qui établit un certain nombre de normes de modus operandi qui lie les États pour, un, assurer qu'il y a une coopération mutuelle, aussi bien dans la défense commune, mais dans l'évitation des agressions entre eux-mêmes, et qui motive aussi les échanges entre les États sur certaines questions liées aux sécurités. Passons au prochain. Intégration économique et financière. L'intégration économique et financière vise à mettre en place un marché commun. On est ici à nouveau dans les questions que vous avez posées. Un marché commun dans l'espace régional ainsi que la libre circulation des biens, des capitaux et des services. C'est très important ici. De biens, des capitaux et des services. Il ne dit pas des personnes. De biens, des capitaux et des services. Pourquoi? Parce que moi qui a vécu en Europe et qui a eu la chance de voir évoluer l'Union européenne, je peux vous garantir que bien avant qu'il existe les traités Schengen qui permettaient maintenant, la libre circulation entre les États
de l'Union européenne, il y avait déjà un échange qui avait lieu, un échange de capital, un échange au niveau de marchandises, un échange même de services qui se fait à l'époque sur la base des moyens qu'il y avait et bien sûr avec ça aussi les personnes. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'était celui qui était porteur d'un projet d'investissement qui avait les facilités de se développer, de se déplacer du fait de la nature de son activité. Ce n'était pas encore ouvert à tout le monde. Donc, il faut que nous comprenions les nuances de différents instruments auxquels nous sommes appelés à travailler avec. La prochaine. L'intégration physique vise à assurer la liaison routière, ferroviaire, aérienne et maritime que génère l'essence de l'espace commun, la mise en place du marché commun dans l'espace régional, ainsi que la libre circulation des personnes, des biens et des services. Ici, nous avons des personnes aussi parce que ça va avec le bien et service. Mais pour cela, il faut d'abord créer les infrastructures. Moi, je suis de la Guinée équatoriale. Récemment, j'ai vu un reportage où on montrait une partie d'une route qui lie le Guinée et le Gabon, la Guinée et le Gabon. Et cette route était, on dirait presque fragmentée, parce qu'elle n'était pas aboutie. Ça s'est limité d'un côté. Alors que pour que les marchandises arrivent, il faut que la route soit en très bonne condition des deux côtés. Ça, ce sont les efforts que nous faisions, les efforts que nous incitons à nos États de faire. La prochaine. L'intégration environnementale et développement rural vise à conserver les conditions de survie pour les générations futures. Nous tous aujourd'hui, nous sommes sensibles à cela. Et Monsieur Lagrange, je souhaiterais que, je ne dis pas que la question du marché commun ne soit pas importante, tout est très important, mais je souhaiterais qu'au niveau du laboratoire, on puisse aussi créer une cellule focalisée sur les questions d'environnement. Parce que c'est une question de futur. Mais c'est aussi une question qui est très portante en termes de potentiel de développement et qui est un secteur dans une potence illimitée en ce qui concerne la création des postes de travail, en ce qui concerne la recherche. C'est un secteur très important que je pense que très souvent on a tendance à minimiser, peut-être du fait que, comme dit tout le monde, l'Afrique n'est pas celui qui crée la pollution, mais l'Afrique subit cette pollution. Et croyez-moi que peut-être la pollution créée en Afrique, elle n'est pas très important, ou bien elle ne cause pas un dégât très, très important. Mais sachez que même nos ordures quotidiennes, c'est que nous, les déchets que nous produisons chaque jour causent déjà un impact à notre propre écosystème. Donc, il faut que les jeunes s'organise autour de cette question. Intégration sociale et développement humain, nous avons un département
genre, développement humain et intégration sociale, et développement humain et social. Et c'est sur cet département qui se trouve localisée la question des jeunes. Par contre, nous savons que la question des jeunes, elle est transversale, aussi bien que la question des femmes. Et c'est la raison pour laquelle, dans tous les autres départements, on prend aussi en considération l'aspect jeune et l'aspect femme. Parce qu'aujourd'hui, rien ne peut se faire sans les jeunes et sans les femmes. Finalement, cette sixième point, comme je le disais tantôt, elle ne fait pas partie des axes prioritaires. Mais elle est importante du fait de ce qu'il faut qu'une institution fonctionne d'ailleurs bien, qu'il y ait une cohérence dans son architecture, une cohérence dans son fonctionnement. Et pour cela, effectivement, il faut mener à bout les réformes qui ont été initiées. Et effectivement, la poursuite de la réforme vise à l'établissement de tous les mécanismes d'intégration communautaire et la révision du cadre légal et réglementaire de la CAC aux fins de l'évolution au contexte continental. Ça veut dire que aussi ici, nous sommes en train de réviser les textes de chacun de ces départements. Est-ce qu'ils sont actuels? Comment est-ce que ces textes s'adaptent au nouveau contexte, par exemple, de la SELECAF? Et ainsi de suite. Donc, c'est un travail qui est vraiment très lourd, mais qui commence d'abord par la mise en forme, la mise en place des institutions, la mise en conformité des institutions, l'élaboration des textes de fonctionnement des institutions. Et maintenant, on va secteur par secteur pour se réaliser ou bien pour assurer que le texte de ces départements soit au jour. Facile. Donc, alors, quand on voit tout cela, je me suis dit, je vais dire juste trois mots. Comment fonctionne la CAC? La CAC, nous sommes les cadres institutionnels pour la harmonisation des politiques et programmes de développement au niveau régional. Tantôt, j'avais expliqué comment cela se passe. Nous faisons et nous coordonnons ces programmes régionaux et nous accompagnons les États membres pour leur implémentation. On regarde, par exemple, nous, du fait que nous sommes en échange avec tous les États sur une question très spécifique, nous pouvons faire une analyse, par exemple, de best practice. On peut travailler sur comment fonctionne, par exemple, le Parlement de nos États membres. Et on fait une analyse et on peut pouvoir dire, voilà, le Gabon, par exemple, est le pays qui a un meilleur fonctionnement de son Parlement. Et on va encourager les autres pays de regarder l'exemple du Gabon pour s'assurer de pouvoir élever leur fonctionnement respectif à ces mêmes niveaux. L'identification et étude des projets régionaux. Comme je le disais, la plupart des actions, des décisions qui sont prises par les chefs d'État doivent être implémentées par ces mêmes États. La plupart. Mais il y a quand même des projets qui sont identifiés
avec l'objectif d'induire, avec l'objectif d'agir comme moteur pour créer effectivement cette cohésion régionale, pour créer la dynamique régionale. Et quand ces projets sont identifiés, la CAC travaille pour que des études soient faites. Ce n'est pas la CAC qui fait des études. La CAC, nous n'avons pas de personnel de multiples compétences. Nous allons vers les nous allons dans le sens où la plupart de ces études sont faites par des cabinets spécialisés qui tous sont abonnés à la page web de la CAC. Je m'excuse, je devais l'écrire en bas pour que vous aussi vous soyez informés, mais à la fin, je veux la donner. Et qui regarde s'il y a des avis de publications pour la réalisation des études. Et il postule et de la base, sur la base du processus établi de sélection, l'institution, le cabinet le plus performant est choisi et il réalise cette étude. Cela se fait dans tous les secteurs, dans tous les domaines, là où des activités doivent être mises en place qui sont directement suivies par la CAC. Après l'identification de ces études et la réalisation des études, il faut maintenant œuvrer pour leur mise en place, pour leur réalisation. Cela coûte l'argent. Aussi, les études coûtent l'argent. Et certainement, par des moments, vous écoutez, bon, vous savez aussi de la CEMAC, hein, on entend beaucoup de la CEMAC. Il a fait une table ronde pour le financement des projets. La CAC fait la même chose. Nous organisons aussi de table ronde, on est en discussion avec des partenaires pour le financement de ces projets. Et c'est la même chose. On a des projets qui sont financés par l'Union européenne, qui sont financés par la Banque africaine de développement et qui donnent à la CAC la coordination et le suivi. La CAC, qu'est-ce qu'il fait quand il faut maintenant publier l'avis quand il faut faire la présentation pour cette étude, le recrutement de cabinet pour cette étude, c'est la CAC qui le fait. Ça paraît dans son page. Quand il faut faire l'élection de la boîte qui emporte le marché, c'est la CAC qui le fait avec le partenaire. Et la CAC fait un suivi. Un suivi, pas technique, mais un suivi administratif. Parce que dans la plupart de ces projets, quand ils sont de nature technique, ils doivent avoir un cabinet d'évaluation technique. Dans le passé, la CAC avait aussi la capacité de la gestion des fonds elle-même. Il y a eu des complications au niveau de la gestion des fonds et actuellement, la CAC est en train de se battre, de pouvoir, reconquérir cette confiance qu'il avait pour pouvoir aussi gérer les fonds de la réalisation de ces projets. Donc, voici la présentation que je voulais vous faire sur la CAC. J'espère qu'elle a été claire.
j'espère. Si vous voulez, si vous avez des questions avant qu'on passe aux questions du questionnaire, duquel je me suis permis quand même de choisir quelques-uns, quelque peu. On ne va pas suivre toutes les questionnaires, toutes les questionnaires. Si vous avez des questions par rapport à la présentation, vous êtes vraiment la bienvenue de la faire et je vais essayer de la répondre dans la mesure de voilà, de possible. Merci. Merci bien, Excellence, Madame la Vice-Présidente, pour cette présentation qui nous a tous et toutes enrichis. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris de cette présentation-là. Comme vous l'avez dit, mesdames et messieurs, comme l'a dit Son Excellence, Madame la Vice-Présidente, si vous avez des questions, je souhaiterais que celui ou celle qui a une question puisse prendre la parole. La parole est à qui veut la prendre, en attendant que, comme l'a dit Son Excellence, Madame la Vice-Présidente, nous puissions passer à la phase suivante. Et je remercie également Son Excellence, Madame la Vice-Présidente, pour la proposition de la cellule qui doit s'occuper des questions environnementales au niveau du laboratoire. Je voudrais dire que nous y avons pensé et cette cellule doit être dirigée par notre représentant résident en RDC qui est avec nous, M. Mazabi. Donc, merci infiniment pour le rappel de Son Excellence, Madame la Vice-Présidente. Nous sommes en train d'y réfléchir, nous sommes en train de travailler afin de ne pas pouvoir être divergents. La parole est à qui veut la prendre. Je donne la parole à M. Mazabi qui a bien voulu prendre la parole. M. Mazabi, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Et merci infiniment, madame la vice-présidente, pour son explication. Nous savions qu'il existait la CAC, mais nous sommes enrichis aujourd'hui pour cette explication profonde et claire qui nous permet maintenant de nous intégrer dans cette politique de la Commission des États économiques d'Afrique centrale, surtout ce qui concerne ces différentes étapes dans le, qui concernent la jeunesse. Et j'ai beaucoup apprécié, surtout quand madame a dit que nous avons un problème sérieux entre les États. C'est le problème d'infrastructures routières, la communication, parce que ça permet ce que les États soient unis sur le plan des marchés, sur le plan des déplacements des populations, sur le plan des sécurités, ainsi sur le plan des développements entre communautés, d'abord, et puis les développements durables de toute l'Afrique. Aussi, ce qui est intéressant, parce que madame a été franche pour dire que la communauté des États d'Afrique centrale ne gère pas les fonds et à chaque fois qu'il y a des projets, elle s'occupe pour mobiliser les fonds et quand ils identifient des projets, ils identifient aussi un groupe d'études qui va analyser tous les projets et remettre à la commission pour financement au cas où le fonds est là. Mais je pense que c'est très intéressant ici, madame la vice-présidente. Bien sûr que vous nous avez encouragé en disant que rien ne peut se faire actuellement sans la jeunesse et la femme. Ce sont des couches importantes pour le développement rural d'abord, puis durable.
Je pense que, comme vous êtes à l'étape de réforme des institutions, il serait mieux que vous puissiez aussi, cette fois-ci, intégrer une couche, si pas qui regroupe les femmes et les jeunes, mais une couche de jeunes dans, parmi, je peux dire, le pas des institutions, mais des secteurs départementaux qui peuvent être associés dans la prise de décision de la commission. Essayons aussi d'intégrer, comme vous êtes à l'étape de la réforme des institutions, intégrer aussi la jeunesse, parce que souvent la jeunesse plutôt subit, comme vous avez dit vous-même ici, que le niveau de la pollution de l'Afrique. L'Afrique ne pollue pas vraiment, mais subit les conséquences de la pollution des industriels à travers le monde. C'est comme nous aussi nous pouvons dire aujourd'hui que la jeunesse subit depuis très longtemps les conséquences des décisions qui ont été prises par les chefs de nos États, membres régionaux ou sous-régionaux. La jeunesse n'a pas de parole, la jeunesse n'est pas écoutée. Et c'est nous qui subissons. Quand il y a des coups d'État, ce sont des jeunes qui subissent. Quand il y a des groupes armés, on utilise des jeunes et des femmes. Quand il n'y a pas d'école, ce sont des jeunes. Quand il n'y a pas de travail, le chômage, c'est toujours les jeunes. Alors, pour vous vous rattrapez à votre parole majestueuse que vous avez dite tout à l'heure, rien ne peut se faire sans la jeunesse. Je pense que vous êtes pour nous vraiment la bienvenue et nous écouter aujourd'hui dans ces débats aussi importants que vous vous êtes engagé malgré vos lourdes charges, votre agenda aussi chargé, de nous donner cette importance-là. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit que nous sommes fiers parce que une grande personnalité de votre rang nous donne cette importance de nous écouter aujourd'hui. C'est vraiment une fierté pour nous et je vous en remercie beaucoup, très infiniment. Et je demande une fois de plus si vous pouvez, dans la réforme, créer un département des jeunes dans la CIAC pour que nous puissions de temps en temps participer, ne fût-ce que à apporter des points de vue. Comme nous, nous sommes des ingénieurs, on peut apporter des points de vue. Quand vous voulez parler sur les projets des infrastructures ou des développements durables, la jeunesse de la CIAC doit avoir une partie de sa jeunesse qui regroupe des jeunes qui viennent de tous les États membres afin que leur point de vue puisse être déposé au niveau de votre administration et lors des débats avec la commission des chefs d'État, vous présentez cet agenda-là et peut aussi tenir compte de la prise en compte des chefs d'État pendant les décisions. Voilà, c'était ça un peu, Madame la vice-présidente, avec votre honneur, ma petite contribution. Merci infiniment, Monsieur Mazabi. Monsieur Gaius Nan-Ekouagé, vous avez la parole. Bonjour à tous. Bonjour, Excellence, Madame le vice-président. Bonjour, Monsieur Lagrange. Déjà, bien merci. Merci encore à Monsieur Lagrange et au laboratoire de recherche et d'analyse et d'action diplomatique pour toutes vos actions. Vraiment merci. Et merci infiniment à Son Excellence, Madame le Vice-Président, parce que, bon, de mémoire des citoyens d'Afrique centrale, c'est vraiment la première fois que j'ai l'occasion, l'honneur d'échanger avec un haut responsable de notre institution. Alors, Madame le vice-président a dit lors de sa présentation, elle a dit que la CEAC n'est pas l'exécutant des projets. Ce sont les États qui sont les exécutants. Alors, ma préoccupation se situe au niveau du contrôle. Est-ce que la CEAC a des moyens de contrôle ou des moyens de pression pour vérifier l'exécution des projets auprès des États? Donc, c'est ma première question. Ensuite, Madame le Vice-Président a parlé de, lorsqu'elle nous présentait, lorsque vous nous présentiez, Madame,
le PAN, paix et sécurité, politique paix et sécurité de la CEAC. Donc, vous nous avez dit qu'il est interdit, en fait, qu'il existe en réalité un pacte de non-agression entre États. OK. Là encore, ma préoccupation se situe au niveau de l'application, parce que vous avez même précisé que ce pacte de non-agression, je préfère l'appeler comme ça maintenant, vous pouvez me corriger, que ce pacte de non-agression... D'accord, madame, merci. Que ce pacte de non-agression a été signé par les 11 États membres. Alors, vu ce qui se passe, déjà, merci infiniment pour votre franchise aujourd'hui, parce que vous vous dites les choses, vous parlez vraiment avec la jeunesse. Lorsqu'on observe aujourd'hui ce qui se passe dans certaines zones de notre sous-région, dernièrement, il y a eu des échauffourées entre le Tchad et la Centrafrique. On voit ce qui se passe dans la région des Grands Lacs, à l'intérieur de nos frontières, donc Burundi, Congo et RDC. Bon, que devient finalement ce pacte de non-agression face à toutes ces actions, face à tout ce que nous... Tout ce à quoi nous assistons. Donc, pour l'instant, madame, le vice-président, ce sont mes sérieuses préoccupations jusque-là. Merci. Donc, je vais me permettre de répondre. Merci. À vos questions. D'abord, pour Monsieur Massabi, j'ai aimé vraiment la dénomination que nous avons donnée à cette webinaire. Parce qu'il parlait de devoirs et responsabilités. C'était ça, non, M. Lagrange? Tout à fait, c'est exactement ça. Voilà. Et j'aime toujours dire que... on dit que c'était le président Kennedy. Ça, c'est peut-être pour vous. Mais moi, j'ai grandi avec cette phrase que chacun dit, le président Kennedy, dans un de ses speeches, il avait dit, ne demande pas à ton pays ce qu'il peut faire pour toi, et toi, qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays? Je pense que le jeune Africain doit être plus agressif. Et là, je suis très honnête. Il doit être plus agressif, donc pas une agressivité manus militari, mais une agressivité dans ses convictions et dans la décision de ce qu'il veut. Et maintenant, il doit connaître le contexte. Si je ne connais pas le contexte institutionnel d'une question déterminé, difficilement je peux devenir un acteur dans ce contexte. Je pense que vous me suivez. Il faut qu'on décide d'abord, chacun de nous décidons, que veux-je faire? Quelle est ma profession? Et dans ma profession, qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, vous êtes un jeune ingénieur. En tant qu'ingénieur, la première des choses que vous devriez faire, c'est de voir est-ce qu'il y a au niveau de l'Afrique centrale une association des ingénieurs. Parce que seul, vous ne pouvez rien faire. La CAC a des principes. Par exemple, dans le recrutement, nous avons un principe où on dit les personnes que nous recrutons doivent être des personnes ressortissantes de notre région. C'est une façon de valoriser, de nous valoriser nous-mêmes. Je peux vous dire que la dernière fois que nous avons fait que nous avons fait un appel d'offres
pour les questions de... c'était nous voulons faire un audit. Nous voulons faire un audit. On fait un appel d'offres. C'est nous-mêmes qui avons dû chercher dans les pays pour voir est-ce qu'il y en a de cabinets de personnes locales de ce pays pour qu'ils puissent participer. Ce n'est pas une démarche légale, je veux vous le dire. Ce n'est pas une démarche légale. Mais dans l'intérêt de voir participer et les nationaux de nos États, on a fait ça. Nous devions maintenant savoir qu'il y a certaines actions. Les actions sociales, elles doivent se faire toujours dans un cadre social. Il y a les actions commerciales qui doivent se faire dans un cadre commercial. Je peux pouvoir faire les deux, mais il faut que je sois aussi intégrée dans les deux cadres. Je pense qu'on se comprend très bien. Donc, ce que je veux dire, c'est que la CAC, au niveau du département genre et développement, il est en train de configurer une liste des initiatives des jeunes. Mais c'est une liste des initiatives collectives. Ce n'est pas une liste des individus. Par contre, si il y en a une association d'ingénieurs de l'Afrique centrale, cette association de l'Afrique centrale peut écrire une lettre à la CAC et dire, écoutez, nous existons, nous sommes un cadre collégial et nous voulons participer dans la construction, dans le développement de l'Afrique centrale. Et il va aussi, comme je disais, de la responsabilité de chacun. Quand on sait qu'il y a cette possibilité de marcher ainsi de suite au niveau de la CAC, de régulièrement visiter le page web pour savoir qu'est-ce qui est d'actualité. Malheureusement, on va se rendre compte qu'il faut la transmission de compétences, même de comment aller au marché. Et pendant que beaucoup peut se faire de façon solidaire, conjointe, de façon collégiale, nous avons surtout en Afrique centrale toujours la tendance d'essayer de faire les choses de façon individuelle. Et d'ailleurs, les félicitations qui viennent de la part de M. Na, pourquoi est-ce que cela est possible? Pourquoi est-ce que la RAD a eu cette possibilité? Parce que la RAD a fait des démarches. En fait, ce n'est pas les institutions qui vont aller vers les jeunes, c'est les jeunes qui doivent venir vers les institutions avec leurs compétences. Vous voyez? Donc, ça, c'est ce que je voulais dire. La RAD a envoyé des lettres. Nous sommes un laboratoire de jeunes, nous faisons ceci, nous faisons cela, nous faisons cela. Et ça a été accueilli. Et si ça a été accueilli, c'est parce que ce n'est pas Francisca Tachu, mais dans nos programmes, il est clairement dit qu'il faut travailler avec les jeunes. Il est dit maintenant, comment le faire? C'est mieux s'il y a des initiatives qui existent déjà.
Ça, c'est toujours mieux parce qu'on peut se reposer sur eux. Un cadre déjà organisé, ça nous permet de travailler beaucoup plus facilement. Donc, mes félicitations aussi de nouveau à la RAD pour cela. Je veux passer aux questions de M. Na. Il y avait deux questions. J'ai dit que les exécutants sont les États. Et ça dépend des types de projets. OK? Et quand je parle de projets, je ne parle pas seulement des projets de construction. Je veux vous dire que là, peut-être 60% des projets qui sont liés à l'intégration sont des projets des textes de loi. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur les financements de la CAC. Il y a une décision des chefs d'État qui est prise. Cette décision a déterminé un certain nombre d'éléments. Mais ces éléments ne dépendent pas de la CAC, dépendent des États. Donc, suite à cette décision, et c'est ça qui se passe avec tous les textes internationaux, toutes les conventions que nos États signent à niveau international, doivent être premièrement adoptées dans la législation nationale. Ça devient national. Et une fois cela fait, celui qui est le responsable de l'implémentation de ces lois, donc c'est un droit, je ne suis pas juriste, mais effectivement, il s'approprie de la convention ou bien de la décision et il l'intègre dans sa législation nationale. Et il l'exécute. Donc, 60% des activités, ça c'est à grosso modo, ce n'est pas une statistique réellement faite, des activités liées à la, how do you call it, à l'implémentation des actions d'intégration sont des textes de loi. Donc, maintenant, l'autre pourcentage, ce sont les projets, comme je disais, ce sont les projets d'intégration. Et ces projets-là, ils sont faits sous la coordination de la CAC avec le partenaire technique et financier qui, dans l'exécution même, a prévu le composant d'évaluation, le composant de suivi technique. C'est la raison pour laquelle je avais dit que nous ne faisons pas le suivi technique. Pourquoi? Parce que par exemple, si on parle d'un projet de création, de construction d'un pont entre deux États, vous comprenez qu'ici, nous n'avons pas des ingénieurs qui sont ici à la maison. On a peut-être deux, mais ils ne seront pas là sur le terrain. Donc, au niveau de l'exécution, quand l'exécution est déterminée, aussi il faut un cabinet qui suit les niveaux et les degrés d'exécution et la qualité. Je pense avoir répondu aux deux questions. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Nous pouvons passer, si vous n'avez pas d'autres questions, comme je vous disais, je pense que maintenant que vous avez eu cette information, et croyez-moi, la raison pour laquelle je fais ceci, c'est pour que vous ayez plus de connaissances de comment rentrer aux organisations, comment s'en prendre, parce que le dire est là. On veut travailler, on veut collaborer, mais comment cette collaboration doit se passer? Et pour cela, vous devriez connaître la structure fonctionnelle. Vous devez connaître
quels sont les éléments? Peut-être vous êtes déjà lié plus ou moins à une activité qui est faite dans le cadre de, d'une action d'intégration. Vous ne le savez pas parce qu'on travaille avec des différents partenaires. Certains parmi vous qui travaillent peut-être avec l'Union européenne, avec une ou autre ambassade, il y a ou une autre organisation, les banques, il y a beaucoup. Donc, c'est pour dire que il faut toujours essayer à savoir qui est celui qui est devant moi, comment il fonctionne. On le fait avec les personnes et on doit le faire surtout avec les institutions pour savoir comment. Quels sont les points communs que nous avons et comment nous pouvons vraiment merger les synergies pour aller mieux vers nos objectifs. Et bon, peut-être avant d'aller au questionnaire, je souhaiterais vous féliciter vraiment pour la participation, pour l'intérêt et vous dire que ça, c'est la façon par laquelle on devient acteur. Parce qu'il faut d'abord absorber l'information pour après pouvoir la valoriser et après, dans les contextes et l'entourage et l'environnement, pouvoir en profiter d'elle. Et je souhaite animer votre participation, vous motiver à participer vraiment massivement lors du side event qui aura lieu en marge de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine parce que effectivement il faut que on voie l'intérêt des jeunes et quand cet intérêt elle se manifeste de façon collégiale, de façon associée. Elle est prise en compte. Ah, pardon, il y a une question que je n'avais pas répondu. Je vais revenir. C'est une question de M. Na. La question sur le pacte de non-agression. Si vous vous rendez compte, la plupart des conflits que nous avons dans nos zones, elles sont créées par des groupes, on dirait, paramilitaires. Ce ne sont pas les forces de l'État, armées des États. Donc, l'État, quand il signe, quand l'État signe une convention, il le signe parce qu'il détient la souveraineté et il le signe tenant compte de ses acteurs principaux. Donc, effectivement, il y a des questions qui se sont posées de savoir dans les cas entre Tchad et la RCA, de savoir avec précision qui étaient les acteurs. Est-ce que c'était l'armée nationale de l'un des États? Et voilà les limites qui ont nos instruments. Aujourd'hui, effectivement, dans la zone des Grands Lacs, on dit non, cet État, il a intérêt dans l'autre État, il a intérêt dans l'autre État, mais les acteurs qui sont là ne sont pas des acteurs étatiques. Or, ces conventions ne lient que les acteurs étatiques. Ça, ce sont des éléments sur lesquels je pense que non seulement la CAC, mais les autres OCR aussi vont devoir s'épancher pour
pour peut-être adopter des textes et des instruments qui sont plus différenciés, qui plus capter, qui puisse capter vraiment la réalité de ce qui se donne. Ces textes sont faits dans ces moments où les acteurs belliques étaient clairement identifiés. Donc, je pense, j'espère que je me suis fait entendre. Vous avez compris, Monsieur Gaius. Oui, merci, merci, Madame le Vice-président, merci. Merci beaucoup. Donc, je reviens à la première question. Est-ce que la CAC a prévu contribuer à l'éducation des jeunes, à l'entrepreneuriat et au financement des projets des jeunes? Si oui, comment? Je l'ai dit tantôt, notre base sont... nous avons des bases, les objectifs de développement des Nations Unies comme base de notre action. Nous avons comme base l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'agenda 2030. Et tous ces éléments dont vous mentionnez ici font partie de ces agendas. Donc, elles deviennent aussi pour nous une priorité. Maintenant, le financement des projets des jeunes. C'est quoi un projet des jeunes? Est-ce qu'on est en train de parler de l'éducation des jeunes? Mais on est en train de parler de l'entrepreneuriat. Effectivement, nous avons des textes et des projets de textes que nous devons étudier et nous devons proposer à nos États pour qu'ils puissent prioriser cela. Mais on vous dit, la CAC en tant que telle n'a pas un fonds, pas encore, même si nous l'avons créé, mais cette fonds n'a pas encore de financement. Mais tous nos États ont des fonds d'investissement. Tous nos États ont des banques. La CAC, ce qu'elle fait, c'est de dire aux États, il faut qu'il y ait des politiques qui disent que si les banques doivent donner des crédits, soit quelle que soit la situation, qu'un certain pourcentage de ces crédits soit aux femmes, un certain pourcentage soit aux jeunes. Voilà le travail de la CAC. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Donc, nous créons les conditions cadres pour qu'il soit plus facile pour nos États d'implémenter un certain nombre de normes. Et nous pouvons créer, et nous créons quand c'est nécessaire, parce que dernièrement, nous avons eu une très grande réunion sur la question de sécurité maritime. Et ce sont les cadres d'échange des États dans lesquels les uns apprennent de l'autre et dans lesquels nous créons et nous présentons les bases harmonisées des problématiques qu'ils sont en train de traiter. Je dis, ce sont des thèmes piliers qui traitent les départements genre et développement humain et social, ainsi que le marché, le département marché commun. À travers ces départements, un travail de soutien aux États membres est en train de se réaliser.
Les deux disent comment la CAC envisage mettre en place et favoriser les politiques de libre échange de la circulation des entrepreneurs de l'espace. Donc, il faut savoir que la CAC, en question de libre échange, nous sommes encore un peu en recul. Nous sommes encore un peu en recul parce que ceux qui avons étudié un peu les théories et les processus d'intégration sociale, d'intégration économique, on sait qu'il y en a des étapes. Et il y a des étapes qui sont infranchibles, pas des étapes dans le temps, mais des étapes dans les procédures et dans le fonctionnement des systèmes que nous avons. Donc, le premier système pour la mise en place d'un marché commun, c'est la création d'une union douanière. La CAC n'en dispose pas encore. Vous savez, par exemple, la CEMAC est sortie de l'UDEAC, Union de douane d'Afrique centrale, UDEAC, Union douanière des États de l'Afrique centrale. Vous tous, vous le savez. Donc, il y a eu prime d'abord une union douanière. Avec cette union douanière qui est le premier échelon vers une intégration économique, il y a des mesures qui ont été mises en place, qui est l'harmonisation au moins des systèmes douanaires. Aujourd'hui, ça signifie qu'on doit s'assurer que tous les pays utilisent le même système informatique, tous les pays utilisent le même système de contrôle de biens. Mais cela n'existe pas encore au niveau de la CAC et on est en train de travailler là-dessus. Avant que les États membres le décident, c'est déjà décidé parce qu'il existe une décision de chef d'État, mais ça n'a pas été implémenté. Et c'est sur ça que nous travaillons. Donc, quand cela est créé, et indépendamment de cela, parce que même si la CEMAC a une union douanière, elle ne fonctionne pas mieux. La barrière la plus importante, c'est la barrière c'est dans la tête. Il faut faire un énorme travail de sensibilisation auprès d'abord des principaux acteurs du commerce et auprès des administrations. Parce que si l'administration ne comprend pas ce qu'il y a derrière la question de l'union douanière, ça serait, croyez-moi, difficile. Et je peux vous parler de cela parce que j'étais ministre du commerce. C'est pas facile. Quand on vous dit qu'il y a un produit déterminé qui ne doit pas payer un certain nombre de taxes à l'importation, mais que les gens qui sont là au moment de accueillir le produit ne connaissent pas la base. Et c'est la raison pour laquelle il y a la CEMAC a créé cette école douanière pour pouvoir former son personnel douanier. Mais aussi longtemps que dans nos États, on prend les gens qui n'ont pas passé par cette école, donc qui n'ont pas une formation dans la matière de douane, ça devient très compliqué. Donc, il y a une barrière qui est celle de chez nous en Guinée équatoriale, on dit qu'il faut changer des mentalités. Et il faut effectivement changer des mentalités pour pouvoir comprendre et pouvoir savoir quel est le bénéfice qui est derrière cette action. Et là, il y a, comme je le disais, il y a beaucoup de travail qui doit se faire. Et il n'est pas suffisant que les États disent oui,
Il n'est pas suffisant que les États achètent les programmes les plus sophistiqués, parce qu'il y en a. Dans tous les secteurs, les défis majeurs, c'est le défi de ressources humaines. Et même s'il y a des systèmes qui sont semi-automatiques, vous savez qu'il n'y a aucun système qui peut vraiment fonctionner totalement sans l'intervention humaine. Et d'ailleurs, je pense qu'une économie dans laquelle l'humain est écarté n'est pas la meilleure des économies. Donc voilà, donc nous sommes en train de travailler et la création de l'union douanière aura effectivement va créer au moins le cadre légal. Vous savez, parfois, je vous donne un exemple personnel. Ma fille est arrivée hier. Elle est arrivée de la Guinée équatoriale. Et dans ma maison, pour des raisons de santé, on essaye de consommer le moins de sucre possible. Donc, il y a certains produits sans sucre que nous ne trouvons pas au Gabon. Et je me suis permis de le faire amener de la Guinée équatoriale. Déjà, en Guinée équatoriale, au niveau du contrôle des douanes, il y avait un problème. Parce que, ils pensaient que c'était pour la vraie vente, malgré le fait qu'on les a expliqués, on leur a expliqué, ils pensaient que c'était pour la vraie vente. Et deux, ils ont dit non, vous ne pouvez pas amener ces produits au Gabon. Et ils ont dit, il faut payer pour les amener au Gabon. Et moi, je les ai demandé, qu'est-ce qu'il faut payer? Quel est le concept par lequel je dois payer qu'un produit qui a rentré en Guinée équatoriale a payé les frais des douanes de la Guinée équatoriale et sur la base de l'union douanière, sur la base de la CEMAC, la Guinée est en CEMAC, le Gabon est en CEMAC, qu'est-ce que je dois encore payer? Mais ils ne pouvaient rien m'expliquer. Donc, mais moi au moins je pouvais me référer à la loi. Je pouvais leur dire ce que vous êtes en train de faire n'est pas conformément à la loi. Donc, il faut que nous connaissions nos lois, nos droits. Il faut que nous connaissions les lois parce qu'elles sont les instruments de base. Si je sais que je suis dans une union douanière, il faut que je sache qu'un produit qui est rentré déjà par un port dans cette union, en principe, il n'a pas une autre taxation qui doit s'appliquer s'il doit sortir pour rentrer dans ce notre pays. Et s'il faut le faire, c'est classifié selon les types de produits. Et les denrées, ça ne fait pas partie. Donc, ça, c'est vraiment une petite parenthèse. C'est pour vous dire que la facilité de la circulation, c'est vrai, ce n'est pas tout commerçant qui doit devenir maintenant agent de douane. Mais l'obligation est telle que si tu es dans un secteur, il vaut mieux que tu connaisses les normes de ce secteur. Parce que, de par ton argumentaire, tu pourras vraiment franchir
certaines barrières qui se posent la plupart du temps par méconnaissance de ceux qui sont supposés rendre le service et faire que le fonction, la structure ou bien l'idéal du fonctionnement soit mis en exerce. Donc ça c'est les deux. La CAC pourra-t-elle mettre en place une politique qui permettra aux jeunes d'avoir plus facilement accès à les stages au sein des administrations publiques et privées? La CAC n'impose pas aux États. Ça, c'est clair. N'impose pas aux États. Par contre, à travers la politique d'éducation, que nous essayons d'harmoniser. Parce que c'est vraiment très difficile. Hein? Vous étudiez ici au Gabon et ce n'est pas évident que peut-être en Guinée équatoriale, ça soit reconnu ou bien dans un autre pays. Donc, il y a ce travail qui est en train d'être, qui doit se faire et qui est en train d'être fait. Et lors de ce travail, comme ce n'est pas un travail, disons, qui s'est fait par séparé, on doit tenir en compte, disons, tous les parcours d'un étudiant. Cet aspect-là va devoir être mentionné et sera certainement proposé aux États. Ça dépend maintenant des États de le voir ou pas. Généralement, la plupart des administrations nationales prennent des stagiaires, généralement. Il y a des départements que pour des raisons de sécurité, pour des raisons stratégiques, ne le font pas. Mais, à ma connaissance, la plupart des administrations le font. C'est la même chose. Le secteur privé a un intérêt à avoir des stages, des stagiaires. Donc, il faut des politiques qui donnent l'impulsion. Et la CAC, effectivement, peut jouer un rôle dans l'impulsion dans cela. Dire qu'au sein de la CAC, nous venons créer en marge de célébration, bon, pas en marge, dans le programme de célébration de la 12e journée d'intégration de la CAC, nous avons lancé le programme des jeunes volontaires. Ce programme des jeunes volontaires doit se réaliser un peu comme le programme de l'Union africaine des jeunes volontaires. On est en train de travailler là-dessus. On est en train de mettre vraiment les fondements, les fondations pour ce programme. Et nous espérons que d'ici à peut-être juin, juillet de l'année prochaine, on puisse vraiment, ça puisse être opérationnel. Donc, est-ce que la CAC fait-elle des recherches ou enquêtes avant les prises de décision, notamment celles qui concernent les jeunes? Si oui, pourquoi les résultats de ces recherches ou enquêtes ne sont pas publiés? Sinon, qu'elle le fasse désormais? Aucune institution qui veut se prendre au sérieux ne peut pas faire ne peut pas faire des recherches. Il n'en a pas.
Maintenant, ce n'est pas toute recherche qui est publique. Ça, c'est aussi une chose. Par contre, ce n'est pas toute recherche qui est publique. Et toutes les décisions qui sont passées au chef d'État, ce sont les décisions qui sont préalablement passées par les instances que je présentais tout à l'heure et qui ont bénéficié de l'appui de consultants, des experts dans les secteurs qu'ils traitent. Donc, vous savez, tous les chefs sont très bien informés. Sachez généralement que les chefs sont trois fois, quatre fois plus informés que les personnels qui travaillent avec eux. Et ce ne serait pas sérieux de ne pas savoir épuiser vraiment la connaissance du secteur et les éléments actuels, les éléments plus importants de la question qui est traitée avant de faire prendre une décision au chef d'État. Ils peuvent vous les refuler. Donc, mais ceci étant dit, depuis que la commission s'est établie, d'ailleurs, l'une des premières actions que nous avons faites, c'est de signer une convention avec le RECIRAC, hein, ça s'appelle le Réseau d'établissement d'enseignement supérieur et des instituts de recherche de l'Afrique centrale. Actuellement, ils sont en train de travailler sur une étude sur le COVID, pour y voir l'impact économique, l'impact social sur le COVID. Donc, la volonté est de pouvoir avoir autour de soi vraiment des satellites de recherche et d'investigation. Parce que aussi, il faut savoir les établissements d'enseignement supérieur dans nos pays, très souvent, ont des difficultés de fonctionnement. Et il y a d'autres types des institutions ou des organisations de renseignement, des types, par exemple, comme la RAD, que je pense qu'ils sont beaucoup plus, ils sont beaucoup plus flexibles à cause de leur mode de fonctionnement pour la production des recherches. Donc, il faut aussi aller, donc quand on parle de la recherche, il faut aller aussi dans le privé. Il y a la recherche privée et puis il y a la recherche publique. Il faut toujours merger les deux. Donc, effectivement, nous travaillons sur cela et c'est important. Nous espérons que désormais, les résultats de toutes ces recherches puissent être publiés sur notre page web. Donc, je vous donne l'adresse, c'est www.ceac@ecas.org. Monsieur Lagrange, pourriez-vous le donner? C'est toujours un travail, vous savez, c'est toujours un travail, mais ça peut s'améliorer et nous accueillerons avec grands intérêts des propositions d'amélioration. Last but not least, comme on le dit, pourquoi ne pas mettre en place un programme communautaire qui travaillera à recruter chaque année des jeunes de 18 à 35 ans pour l'obtention des bourses de formation dans le domaine du numérique et de l'agriculture durable pour une durée de 6 mois. Je pense que ça, c'est une très bonne proposition. Et d'ailleurs, je veux la faire mienne, mais aussi il faut que vous la fassiez la vôtre lors de side event, parce que je pense que ça peut être un très bon projet régional. Ça peut être un très bon projet régional qui pourrait être
accompagnée de la CAC et pour trouver du financement et quitte à le présenter un peu plus précis, de voir comment recruter et quelles sont les étapes, comment s'assurer que ceux qui sont retenus sont le meilleur, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est bon. Voilà. Ce sont les questions que j'ai cru que étaient des différentes natures et que après avoir eu maintenant le fonctionnement de la CAC, je pense que les autres questions sont vraiment leurs réponses. Vous deviendrez aussi expert déjà de la CAC, hein, en plus de vos compétences respectives. Merci beaucoup. Merci bien, Excellence, Madame la Vice-Présidente, pour ce privilège que vous nous avez fait, comme l'a dit l'un des participants, de nous consacrer de votre temps. Ceci vient démontrer encore de votre attachement, non seulement à la jeunesse, mais à son devenir, à son avenir. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui souhaiteraient intervenir, qui ont des préoccupations ou qui souhaiteraient apporter une contribution? Sinon, nous allons passer au mot de fin. Nous allons donner la parole à monsieur. Nous allons donner la parole à monsieur Mbina qui va faire le mot de fin de cet événement. Monsieur Mbina, vous avez la parole. Merci. Donc, je suis là pour donner le mot de fin de cette excellente visioconférence. Et j'aimerais vous dire, mesdames, messieurs, chers jeunes, chers leaders, amis régionaux et continentaux, nous voilà arrivés à l'issue de 2 jours d'échange sur les droits et devoirs d'une très grande richesse. Nous pouvons dire qu'ils ont tenu leurs promesses et ont fait de cette conférence un temps de plaidoyer clé pour l'épanouissement de notre jeunesse. Nous pouvons nous en féliciter. De même, je tire mon chapeau pour le travail réalisé pendant ces 2 séances. Merci d'avoir apporté une réelle contribution à la thématique qui nous a réunis pendant ces 2 jours. Nos sincères remerciements à nos autorités présentes, particulièrement à Madame la vice-présidente de la commission de la CEAC, Son Excellence Francisca Tachuope-Bilobé, qui, par sa présence, a montré son attachement au bien-être de la jeunesse, de notre espace communautaire, ainsi que son engagement à y œuvrer. Merci, Madame, pour votre disponibilité et votre apport dans le bien-être de vos enfants et de vos fils de l'Afrique centrale. Nous apprécions votre engagement à garder les yeux ouverts aux réalités qui nous frappent, qui frappent notre continent, et surtout d'essayer avec nous de trouver des solutions pérennes et de poser des actions concrètes. Merci aux jeunes leaders ici présents qui ne se lassent pas de proposer des solutions et de venir au débat. Merci de ne pas faire partie de ceux qui prennent les armes pour revendiquer leurs droits et devoirs. Merci de ne pas cesser d'utiliser la force des arguments. Nous souhaitons par la même occasion que vous soyez les messagers de cette visioconférence. Dites à vos communautés, disons à nos communautés que nous pouvons tous le faire et que nous allons tous le faire. Et enfin, mes profonds remerciements au Laboratoire de Recherche et d'Action Diplomatique, le LARAD, qui est et restera un pont efficace entre des autorités crédibles et la jeunesse du continent. Nous vous invitons et nous vous attendons massivement lors de notre side event qui se déroulera en format hybride du 22 au 24 novembre par la grâce de Dieu. Que Dieu ne cesse de nous bénir et de bénir l'œuvre de nos mains. Je vous remercie. Merci, merci infiniment, M. Mbina. C'est pour votre mot de fin. Je remercie de nouveau Son Excellence, Madame la Vice-Présidente de la commission de la CEAC, qui chaque jour nous démontre son attachement à la jeunesse, non seulement de cet espace qu'est la CEAC, mais à la jeunesse africaine. Excellence, Madame la Vice-Présidente, merci infiniment et que
Dieu qui a créé les cieux et la terre vous fasse la grâce d'avoir plus de responsabilités, d'accéder à de plus hautes fonctions, afin que non seulement la jeunesse de l'Afrique centrale, mais la jeunesse du continent africain puisse placer davantage sa confiance en Dieu, puisse bénéficier de cette largesse-là, de cet esprit de main tendue à la jeunesse que vous manifestez régulièrement. Merci infiniment, Excellence, Madame la Vice-Présidente. Merci à tous les participants et que Dieu nous bénisse.